Nous travaillons main dans la main avec le club professionnel de Boulazac depuis toute la saison, donc on entretient de bonnes relations. C'est très important de pouvoir se servir de l'outil Palio comme une vraie vitrine de notre sport dans le département. Ce soir, l'opération est très intéressante pour pouvoir mettre en lumière les 25 clubs du département, représentés par 25 enfants aux couleurs de leur club, pour montrer tout le travail qui est effectué au sein des clubs de Dordogne, qui reprennent quand même plus de 3000 licenciés et de nombreux bénévoles. Alors on est très fiers d'accueillir aujourd'hui le comité départemental de basket parce que du coup ça représente les 25 clubs du département qui représentent l'avenir aussi du BBD. Et le BBD c'est une réussite parce qu'aujourd'hui il y a une cohésion départementale sur ce sport. C'est une réussite qui est due évidemment du comité départemental de basket qui fait un effort considérable sur ces actions de développement. On est ravis de pouvoir les accueillir ce soir. Et on espère vraiment que les 25 jeunes joueurs qui représentent chacun de leurs clubs seront ravis de pouvoir présenter le match devant près de 5000 spectateurs ce soir contre Monaco.